à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est la vôtre. Donc pour vous récompenser de votre fidélité et aussi pour votre engouement pour cette chaîne, j'ai décidé de récompenser tout le monde. Donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du zodiaque pour 2018. Le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année. Chaque mois, nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'oracle veut souligner. Ces prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018. Même si parfois les cartes peuvent paraître difficiles ou compliquées, sachez que la guidance que ces cartes vous apportent, c'est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix, sérénité et joie. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve. Bienvenue amis taureaux sur votre tirage du Petit Lenormand pour l'année 2018. Donc, comme j'ai dit pour les autres signes, c'est un tirage qui est général. Ça va donner les tendances et les grandes lignes de 2018. Et je vais vous donner une prédiction ou une guidance, si vous voulez, qui va s'étaler sur les 12 mois de 2018. Sachez qu'il faudra regarder cette vidéo, mais aussi la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc, par exemple, comme moi, je suis poisson ascendant lion, je vais regarder la vidéo qui correspond au poisson, mais aussi la vidéo qui correspond au lion pour avoir un éventail beaucoup plus vaste et avoir vraiment une tendance un peu plus approfondie. Si vous voulez que je tire les cartes pour vous, que ce tirage soit personnalisé, je vais mettre un lien dans la boîte de description qui vous mènera vers ma boutique Etsy. Et là-bas, vous pourrez choisir ce tirage et ce sera uniquement personnalisé pour vous. D'accord? Donc, sans plus tarder, on va commencer votre tirage du Petit Lenormand pour 2018. Voilà, votre jeu est étalé sur la table. J'utilise ce que j'appelle ici une technique de l'horloge où vraiment on peut avoir des prédictions ou des guidances sur un étalage des 12 mois de 2018. Donc nous commençons par le mois de janvier. Donc pour le mois de janvier, nous avons la carte du consultant. Nous avons aussi le jardin ainsi que les chemins. Donc, ces cartes nous montrent que le mois de janvier sera un mois assez festif. Vous allez rencontrer des personnes, vous allez être présenté à pas mal de bonnes personnes, vous serez en bonne compagnie et vraiment, ce sera la fête, ce sera les réjouissements, ce sera familial, ce sera vraiment le plaisir. Et ce sera aussi un mois où il faudra prendre des décisions, où il faudra faire des choix. Peut-être parmi les gens que vous allez rencontrer, pas tout le monde pourra s'accorder avec votre personnalité ou s'accorder avec votre personnalité, on va dire. Donc il faudra faire attention ici. Il y a pas mal de décisions, il y a pas mal de choses qui vont se passer ici. Une autre signification de ces trois cartes, c'est que le groupe de personnes parmi qui vous fréquentez, parmi qui vous êtes, peut se dissiper ou peut prendre des chemins opposés. D'accord? Donc là, même s'il y a la fête, même s'il y a la joie, il faudra quand même être prudent aux personnes qui vous entourent, car vous aurez des choix qu'il faudra faire par rapport à ça.
Le mois de février, vous avez la maison, la lettre et les oiseaux. Et on voit ici qu'avec la maison, vraiment, vous prenez, là, vous étiez avec beaucoup de personnes, vous étiez dans un groupe, et là, vous vous retrouvez chez vous, ou dans un groupe plus petit avec la maison, un espace plus fermé, plus confis, plus personnel, on va dire. Donc là, on vous voit commencer le mois en ayant des, comment dire, des idées bien à vous, des idées sur l'évolution familiale, l'évolution aussi peut-être au niveau des acquisitions immobilières avec la maison qui sort ici. Et cette combinaison de cartes avec la lettre et les oiseaux, on parle vraiment de démarches, on parle de coups de fil, de lettres, de courriers, de communication. C'est un mois où vraiment il y aura beaucoup de communication avec la famille, avec les gens proches, mais aussi tout ce qui est à rapport à l'acquisition et au bien. D'accord? Donc février sera un mois positif quand il s'agira de démarches, quand il s'agira de pourparlers. Le mois de mars, nous avons ici le soleil, nous avons le cercueil et le chien. Donc, on commence le mois avec une note assez bonne, on est optimiste, on est sûr de son succès, et tout d'un coup, on se sent piégé, rien n'avance, rien ne va comme on veut. Donc là, il y a des amis qui peuvent vous aider à sortir de votre confinement, de votre position difficile. Là, ce n'est pas la fin d'une amitié, hein. Là, c'est vraiment la fin qui, comment dire, que les amis vous viennent en aide avec le soleil qui atténue un peu l'influence de cette carte négative. Donc là, je vois des gens qui vont venir vous aider. Vous pourrez compter sur certains amis qui vous sont proches et qui vous voient du bien. Et aussi compter sur votre partenaire. Le chien, c'est aussi une carte de tierce personne qui représente parfois dans les relations le partenaire. Donc, ce mois de mars commence bien, mais il y aura quand même des petits hicks qu'il faudra faire attention et les amis seront là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous aider à faire le tri, à faire le ménage. On passe maintenant au mois d'avril. Alors, au mois d'avril, il y a du changement. L'acquisition que vous avez commencé ou les démarches que vous avez commencé ici au mois de février prennent au mois d'avril une tournure assez favorable. Il y a un accord qui est ici, il y a un changement positif, mais peut-être les choses ne se déroulent pas comme vous le pressentez ou comme vous la visualisez. Donc peut-être là, il faudra envisager d'autres solutions ou d'autres méthodes peu conventionnelles, mais bon, ce sera à vous de voir. Si vous pensez voyager au mois d'avril, c'est un oui. Si vous pensez déménager, si vous pensez faire un changement, la réponse est oui, il y aura du changement, il y aura des choses qui vont se passer. Possiblement aussi, des personnes vont actuellement changer de voiture pour prendre quelque chose de plus récent, on va dire, et changer une vieille voiture pour quelque chose de plus récent. Peut-être que la voiture, elle tourne, elle n'est plus serviable et elle vous ruine plus qu'elle ne vous fait des économies. Donc là, il y aura peut-être un accord aussi au niveau d'une nouvelle voiture. Si vous pensez vendre un bien cette année, je pense que le mois d'avril sera un mois plus ou moins favorable pour, comment dire, pour commencer à voir les choses de près. Donc, c'est très bien pour le mois d'avril. Nous passons maintenant au mois de mai. Alors, au mois de mai, la santé, c'est pas vraiment ça. Il y a les petites grippes. Il y a aussi, comment dire, les maladies infantiles comme la varicelle, comme des oreillons. Ce style de maladie avec l'enfant, l'arbre et les nuages. Donc, c'est vraiment une maladie passagère qui n'est pas vraiment grave. Ça peut être le rhume des foins, mais c'est surtout des petites maladies qui sont liées aux enfants, dont les enfants sont beaucoup plus fragiles. Alors faites très attention aux maladies qui sont contagieuses, d'accord, si vous ne voulez pas les attraper ou prendre des précautions. Alors il faudra bien faire aussi attention au temps. Le climat peut-être sera favorable à développer ce style de maladie
Et voilà, donc ça pourra venir un peu obscurcir le quotidien, mais vraiment rien de vraiment grave. Alors nous passons au mois de juillet. Ah non, pardon, ça c'était le mois de mai, hein. Ça c'était le mois de mai, et là maintenant on est au mois de juin, d'accord? Le mois de juin, la moitié de l'année est finie. Je fais un petit peu de place quand même. Parce que c'est un tirage qui prend beaucoup de place. On utilise toutes les cartes. Donc, le mois de juin, ici encore, on voit avec le livre, c'est tout ce qui est paperasserie, tout ce qui est document, tout ce qui est contrat. Et on voit en même temps la carte des poissons. D'accord? Alors, il y a une rentrée d'argent, possiblement. Au niveau des contrats, mais ça peut être aussi une dépense avec les souris qui viennent grignoter les sous qui sont là. C'est peut-être revendre pour réinvestir. C'est peut-être aussi, comment dire, payer une taxe, payer un notaire, parce que les poissons, c'est aussi quelqu'un qui est dans les affaires. Donc, payer un notaire, payer vraiment un spécialiste, un expert pour vos démarches et pour vos acquisitions. Donc là, l'argent gagné ne va pas vraiment rester, hein. Ça ne va pas vraiment rester, c'est grignoté par les souris ici. Donc c'est de l'argent qui est gagné mais réinjecté dans d'autres choses. Alors le mois d'août, on va parler de sentiments. Ce sera vraiment un mois affectif, d'accord? Beaucoup de personnes sous le signe du taureau vont peut-être rencontrer l'amour au mois d'août, ou éprouver des sentiments vraiment forts, des sentiments vraiment troublants, mais ils se sentiront aussi bloqués. Peut-être le partenaire avec qui ils seront sera d'une nature peureuse ou sinon d'une nature incertaine et ne voudra pas vraiment s'investir dans cette relation. Donc là, il faudra faire attention et faire preuve de patience surtout, parce que la montagne, c'est un blocage, mais c'est un blocage qui n'est jamais définitif. Parce qu'il faut gravir la montagne pour pouvoir passer de l'autre côté. Cela demande de l'effort et du temps. Et l'ours aussi, c'est une carte de paresse hein, quand on parle de sentiment. Donc il ne faut pas rester sur ses acquis, il ne faut pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Il faudra que, voilà, que vous déclenchiez un peu les choses. Donc si vous voulez une relation stable, une relation sérieuse avec le cœur qui est là, il faudra quand même, comment dire, agir. Et ne pas laisser les choses comme elles sont. Si vous restez dans la stagnation, il n'y aura rien qui va bouger. Le mois de septembre, ouais, ce mois de septembre, on va parler de travail, vraiment, avec l'encre et le renard, qui sont des cartes de travail pour moi. On me dit ici qu'avec le cavalier, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un démarrage. Donc peut-être au cours de l'année dernière, de cette année, pardon, et du début de l'année prochaine, il y aura des ralentissements, des titillements, des difficultés par rapport au niveau professionnel. Mais avec le cavalier, on voit que les choses vont avancer, il y aura un redémarrage de travail, et cela va peut-être vous demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc c'est un mois qui est favorable pour le travail, si vous cherchez du travail, si vous avez des entretiens d'embauche à faire, si vous avez de l'apprentissage qui soit rémunéré, hein. Donc c'est un bon mois vraiment pour mettre les choses à plat, pour penser à votre futur professionnel, d'accord? Et là, on me montre que vous avez peut-être au début d'année pensé à faire pas mal de choses, même au niveau de cette année 2017, et vous avez beaucoup réfléchi, et l'année 2018 va vraiment être un changement, va vraiment être quelque chose de bien, et vous allez pouvoir avancer et atteindre vos objectifs, pardon, avec l'encre. Alors, le mois de septembre, septembre, septembre. Alors, mois de chance. Alors, je parlais ici de formation et d'apprentissage rémunéré, et on continue ici avec la tour pour l'apprentissage. D'accord?
Vous serez aussi éveillé spirituellement pendant ce mois. Vous serez très attiré par tout ce qui est paranormal. Vous aurez peut-être des rêves prémonitoires. Vous aurez peut-être des intuitions, des prémonitions. Donc, c'est un mois vraiment où l'intuition va être autour de vous. La spiritualité, la prière, la méditation va prendre une grande place avec la croix et la tour. Et c'est un mois de chance. Donc, si vous voulez tenter votre chance, ce mois de septembre est un mois qui est plus ou moins favorable pour la chance et aussi pour tout ce qui est éducation. D'accord? Éducation spirituelle surtout. Si vous voulez vous former aux arts divinatoires ou aux choses comme ça, c'est un mois qui est vraiment favorable pour vous. Alors, nous passons au mois d'octobre qui sera, je pense, le meilleur mois de l'année pour vous. C'est un mois merveilleux parce que vous avez la clé, vous avez la lune et l'étoile, vous avez deux cartes célestiaux, une à côté de l'autre, qui est vraiment bien. Donc, peut-être l'éveil intuitif que vous aurez au mois de septembre va vous aider à vraiment construire un mois d'octobre serein, rempli d'intuition, d'émerveillement, vous serez guidé, vous serez vraiment, comment dire, inspiré et les choses vous réussissent. Les choses vous réussissent. Alors, il y a vraiment une expansion de bonheur, de joie, donc c'est vraiment un mois qui est positif pour vous. C'est un mois qu'il faut regarder de près. Alors, nous passons au mois de novembre. Alors, le mois de novembre, on a la cigogne en entrée de carte qui est très bien. La cigogne, c'est toujours une progression, une amélioration, un changement positif. Avec le fouet et le lys, c'est peut-être quitter derrière vous un cycle. Parce que le fouet, c'est répétitif et le lys, c'est quelque chose qui est lent, qui est stagnant. Mais aussi, c'est quelque chose de bien. Donc là, pendant ce mois de novembre, vous allez pouvoir survoler les difficultés, vous allez travailler dur. C'est un mois aussi où peut-être vous allez penser à votre bien-être corporel, on va dire. Vous allez peut-être commencer à faire un régime, à vous muscler, à faire de l'exercice, à vraiment essayer pas mal de choses qui vous permettront de vous élever spirituellement, au niveau de votre santé, au niveau de votre corps. Donc c'est un mois qui est vraiment intéressant et c'est un mois où la sagesse sera aussi de mise. Donc ces trois mois-là, septembre, octobre et novembre, sera un mois vraiment d'éveil spirituel et les choses vont être pas mal. Alors nous terminons l'année avec le mois de décembre. OK. Alors le mois de décembre, on a la carte du consultant, on a la consultante, pardon, on a la faux et on a le bouquet. Donc, première chose, c'est que il y aura quand même des choses à voir de près. D'accord? Il y aura des choses à voir de près. Cette combinaison de cartes peuvent aussi parler de désillusion. Donc, les choses que vous pensiez être acquises par le bouquet ne le sont plus avec la faux, parce que la faux, elle coupe, elle tranche tout ce qui sort à gauche. Donc là, peut-être que vous finissez l'année avec un moral pas très au beau fixe. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que regardez sur votre expérience des mois précédents. D'accord? Ne vous laissez pas submerger par les choses de l'imaginaire ou de l'inconscient, on va dire. Il faut garder aussi le côté pratique. Il ne faut pas vous laisser, comment dire, il ne faut pas vivre sur la lune et les étoiles comme on l'a vu ici. Il faudra quand même redescendre sur Terre et il ne faudra pas que cette chute soit difficile. Donc, mois de décembre 2018 sera un mois bien, mais avec des petites difficultés. Et c'est des choses qu'on peut, heureusement, que l'on peut éviter en faisant très attention aux trois derniers mois précédents. D'accord? Et on me parle ici vraiment du mois d'octobre. Donc, il faudra voir ce qui se passe au mois d'octobre, car cela va avoir une influence sur les mois à venir.
Donc voilà, ceci c'est votre tirage, les amis, pour 2018. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Bien sûr, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes et vos abonnements. Et si vous voulez retrouver ce fabuleux jeu de cartes que j'utilise dans mes vidéos, elles vont être publiées au printemps prochain par un éditeur américain, Schiffer Publishing, et vous pouvez les précommander dès maintenant sur Amazon. Je mets le lien dans la barre de description, dessous la vidéo. Vous pourrez y aller et commander ce fabuleux jeu qui est facile, comme vous voyez, à interpréter. Il est beau, il est magique. Et vous pourrez aussi vraiment, comment dire, vous pourrez vraiment avoir des prédictions pour vous, essayer de faire ce tirage-là aussi pour vous pour 2018 et avoir un peu plus de précision. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année 2018 et je vous retrouverai bientôt sur une nouvelle vidéo.